apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un nouveau vlog. On est dimanche 19 mars, il est 13h. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu où j'en étais dans mes loisirs parce que ça y est, j'en ai marre de faire que du colo. Donc je fais d'autres choses, mais je fais aussi du coloriage, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai fini le dernier coloriage que je vous avais présenté à la fin de mon vlog. Vous le verrez dans ma vidéo des coloriages terminés. Et du coup, j'ai commencé mon duo dans le 1 million de créatures magiques de Lulu Mayo. Et c'est celui-ci, donc c'est un duo avec Ritsu. Je crois que c'est comme ça, un truc comme ça. Et du coup au final sur le livre, je pense que je vais y aller régulièrement parce que les coloriages se font hyper vite. Donc je l'ai commencé jeudi, mais en fait jeudi vendredi j'ai terminé à 20h. Donc autant vous dire que non, j'ai commencé depuis hier, vraiment j'ai commencé hier matin. Et du coup j'ai quand même déjà bien avancé. Là le programme de cet après-midi, ça serait de finir la boîte à musique. Je vais la faire en effet or. En fait je me dis que si jamais j'arrive à faire la boîte à musique, il me restera que les petits zibouibouis là et mon fond. Donc en fait il sera fini pour mercredi, c'est sûr et certain. Je ne me mets pas plus de choses que la boîte à musique à faire parce que comme lui je fais d'autres choses. Donc voilà, donc pour ce qui est du colo, c'est lui. Tout à l'heure si j'ai le temps, je choisirai mes couleurs pour un coloriage mystère. Mais voilà, j'aimerais bien quand même terminer celui-ci rapidement. Et aussi, du coup, je me suis vraiment bien remis au DP. Donc, j'ai commencé ce DP en diamants spéciaux. D'ailleurs, je vais aller chercher mon... je vais chercher tout ce qu'il faut pour que je puisse pour pouvoir le continuer. Voilà, donc j'ai commencé de nouveaux DP en plus de celui que j'étais en train de faire. Alors, tout simplement pour deux raisons. Déjà, mon DP grand... je le laisse tout le temps au salon parce que c'est le seul endroit où j'ai suffisamment d'espace. En fait, ma table elle est très grande au salon et on n'y mange pas sur la table de la salle à manger. Donc, ça ne me dérange pas du tout de poser mon DP là-bas. Par contre, ça m'agace un peu de le déplacer. Donc, première raison. Deuxième raison, j'aime beaucoup faire les petits DP comme ça en diamants spéciaux. Je trouve que ça va vite, ça change et les résultats sont toujours jolis. Et en plus après ça nous fait des petits stocks pour pouvoir faire des substitutions dans d'autres DP. Et voilà. Et ensuite j'ai entamé un DP moyen en rond que je vous montrerai je pense dans la suite du vlog. Tout simplement parce que vu qu'il commence à quand même un petit peu refaire bon, je recommence à descendre dans ma pièce d'en bas. Et dans ma pièce d'en bas, je me suis entamé le petit DP, comme je vous dis, enfin le DP moyen, voilà, pour avoir quelque chose à faire quand je suis en bas. Parce qu'en fait, ma fille, elle adore aller jouer dans ma pièce. Voilà, elle adore tout sortir surtout. Mais du coup, ça ne me dérange pas particulièrement. Donc voilà, du coup, j'ai 3 DP en cours. Et j'ai bel et bien craqué sur de la broderie. Comme je vous le disais dans le dernier vlog, j'avais vachement envie de commencer. Et ben, c'est chose faite, j'ai passé commande. Alors j'ai passé 3 commandes. J'ai passé une commande sur... enfin, mon mari m'a passé une commande sur la maison du canevas. Où j'ai commandé 3 points de croix comptés. Ainsi qu'un tambour. Je vais vous donner un petit peu pour que vous puissiez un petit peu le voir. Donc il m'a pris 3 points comptés et un tambour que je vous montrerai dans la vidéo de mercredi qui sortira du coup avant le vlog. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Si j'y pense, je le mettrai dans le petit i, mais je pense pas que j'y penserai, donc voilà. Et ensuite j'ai commandé sur Oraloa une toile que je vous montrerai aussi dans le petit haul de mercredi. Et ensuite j'ai passé une commande sur Amazon, sur AliExpress, sur 2 boutiques
Belle Express, une boutique qui s'appelle John Sunday et une boutique qui s'appelle je ne sais plus comment. Et du coup, j'ai trop hâte de recevoir. J'ai pris des points de compter et des points estampés sur AliExpress. Donc j'ai vraiment trop hâte de recevoir toutes ces petites commandes pour pouvoir tester en espérant que ça me plaise. J'ai essayé de prendre un peu de tout. J'ai pris celle d'Oraloa en 11 CT. Après j'ai pris quand même pas mal de 14 et j'ai pris un petit peu de 18. Voilà pour et même j'en ai une en 16. Donc voilà, j'ai pris vraiment que des toiles sur lesquelles j'avais eu un vrai coup de cœur parce qu'en fait il y a beaucoup de toiles où je trouve que c'est un peu mémérisant. Voilà, même si ça revient à la mode, etc. Je trouve qu'il y a des motifs des fois qui sont un petit peu mêlés. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment quand même sélectionné. Vous allez voir ce que j'ai pris. J'ai pas pris non plus n'importe quoi. Voilà, j'ai pris des choses qui me plaisaient vraiment. Et du coup j'ai très hâte de recevoir tout ça, hein, tout simplement. Et je vous montrerai évidemment, je pense que déjà dans la suite de ce vlog j'en ferai parce que je pense que normalement demain je reçois déjà mon point compté de la broderie du canevas. Oraloa je l'ai fait livrer en point relais et le point relais où ça va être livré il est fermé le lundi donc je l'aurai que mardi, mais je me dis c'est pas grave. Voilà, parce que celle de Oraloa c'est du 11 CT, donc en fait ça je sais que ça sera pour faire vraiment tranquille devant la télé le soir avec mon mari quand on veut se regarder, enfin quand il veut que je reste avec lui pendant qu'il regarde un film. Voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu commander. Je voulais vraiment un truc à pouvoir faire voilà, sur mon canapé quand je suis un peu fatiguée ou voilà qui change un peu de la lecture. Et c'est vrai que là j'ai regardé beaucoup de Flosstube, j'ai vraiment essayé de voir ce que j'aimais moins et tout ça. Et du coup, j'ai hâte de commencer ce nouveau loisir. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui font ça ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez des personnes qui... des youtubeuses, parce que du coup, j'en connais pas énormément encore. J'en ai vu quelques-unes, mais je trouve qu'il y a beaucoup sur les chaînes de broderie. En fait c'est un peu comme les chaînes de DP, il y a énormément de halls de boutiques pas très chères, comme sur le DP il y a beaucoup fan sales, je sais pas, ce genre de trucs. Et c'est vrai que j'essaie de pas trop regarder des halls parce qu'après j'ai envie de tout acheter. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand même à me dire si jamais vous connaissez des chaînes de broderie que vous aimez bien, comme ça je pourrais aller voir, parce que c'est vrai que j'aime bien regarder des vidéos. J'adore les vidéos Flosstube. Donc vraiment j'adore regarder les fins de mois, les projets, etc. Donc évidemment je regarde les vidéos de Ma Vie Normale, de Jess, et aussi je crois Sarah et ses passions, Mamzelle et ses loisirs, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'en regarde déjà quelques-unes, mais du coup n'hésitez pas à me dire vous les chiffres broderie que vous aimez bien. Je pense que je vais vous laisser là, je vais continuer un petit peu, je vais reprendre mon colo juste après et je vous prendrai en fin de journée pour vous montrer un petit peu mes avancées dans mes loisirs, dans ce que j'aurai fait cet après-midi. Voilà, et je vous montrerai mon dépéro quand j'irai faire cuire mes cookies. Parce que j'ai préparé des cookies façon Cyril Lignac. J'ai trouvé cette recette, ça avait l'air trop bon. Donc je vais voir. Je vous dirai au goûter ce que ça donnait. Je vous montrerai peut-être. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez passer une bonne semaine avec moi. A tout à l'heure. On est toujours le même jour, je voulais juste vous montrer mon dépéro, comme je vous ai dit, qui est dans ma pièce du bas. Vous montrer un petit peu comment je me suis organisée. Voilà, donc je l'ai posé sur mon bureau. Et en fait, j'ai mis toutes mes petites fiches, enfin tous les diamants, comme ça, voilà, dans l'ordre, pour pas me tromper. Et du coup j'ai commencé, donc comme vous voyez j'ai posé pratiquement que du AB, il y a beaucoup de AB, il y en a 4, et en plus moi j'ai choisi le blanc à certains endroits, en fait je vais le mettre en AB, voilà. Bon c'est pas exactement la même référence, eux c'est du 5200,
Et moi, c'est du 940, enfin, je sais plus c'est lequel, 3861, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, ça se ressemble. Bon, je pense pas que je vais mettre partout du comme ça, mais à certains endroits, par exemple, ça collerait. Je pense que ça pourrait être joli en AB. On va voir, voilà, peut-être pas dans le fond, parce que dans le fond, il y en a déjà quand même pas mal avec les roses. Et donc, je voudrais pas qu'il y en ait non plus trop. Donc ça, c'est un diamond painting qui vient de chez Timmy Arts, donc sur AliExpress. Et en fait, c'est cette image. Voilà, j'avais voulu tester, c'est un 40x50. Franchement, j'aime beaucoup 40x50. J'ai un petit panier chez BFKE qui m'attend. Et je pense que le mois prochain, je vais le valider sur les... sur les cas avec pas mal de 40x50, parce que je me dis c'est bien d'avoir un projet principal plus grand et d'avoir un petit, parce que c'est vrai que même celui-ci par exemple je pourrais largement le mettre avec moi au bureau, ça poserait pas de soucis quand j'ai envie de regarder un petit truc. Mais voilà, mais là j'aime bien parce que je suis juste en face de mon jardin et tout, donc c'est quand même la vue est agréable. Voilà, c'est juste que l'hiver quand il fait vraiment froid, en fait, on chauffe pas à fond le bas parce que c'est plus quand on a des invités, en fait. Hein. Nous, on vit principalement en haut. Donc, le bas, vu qu'on le chauffe pas trop l'hiver, ben, c'est pas très agréable. Donc là, je vous rapproche un petit peu. Voilà. Donc là, je suis en train de faire cuire mes cookies parce que j'ai un petit problème avec mon four d'en haut. Donc, je dois les faire cuire en bas. C'est un peu relou, mais c'est pas très grave. Ça va, ma fille a fait une grosse sieste là. Elle était quand même bien fatiguée ce matin, elle s'est réveillée très tôt. Donc voilà, et du coup, tout à l'heure, j'ai bien avancé mon coloriage en fait. J'ai pas trop fait du dépit parce que j'en avais fait un petit peu ce matin déjà. Donc j'ai bien avancé mon coloriage, je suis super contente. Je l'ai même franchement quasiment fini parce que j'ai fini la boîte à musique là. Donc en fait il me manque juste les petits les petits personnages qui sont sur la boîte à musique et après ce sera terminé. Donc franchement je suis ravie. Du coup voilà, ça sera le programme tout à l'heure, enfin en fonction de ma poupette hein, parce que peut-être qu'elle va pas vouloir que je fasse quoi que ce soit d'autre que de jouer avec elle. On verra bien. Mais voilà, donc ça c'est le programme du jour. Continuer un petit peu ce DP. Essayer de finir mon coloriage. Et si jamais j'arrive pas à finir mon coloriage, j'aimerais bien avancer un petit peu mon grand DP. Que je vous montrerai. Si jamais j'ai le temps, je vous le montrerai un petit peu tout à l'heure. Si j'ai pas le temps, ben, vous le verrez dans un prochain rush. Genre demain, parce que demain je... Enfin, j'ai pas de réunion en fait, donc je pense que je rentrerai pas trop tard. Voilà, vu la semaine dernière que je me suis tapée, le fait que mercredi j'ai quelque chose l'après-midi et tout, je vais essayer de pas rentrer trop tard les autres jours. Ben, déjà pour pouvoir voir ma famille, hein. C'est chouette hein, quand même de pouvoir profiter des gens qui vivent avec nous, hein, parce que cette semaine j'ai eu l'impression clairement d'être une colocataire. Et là aujourd'hui bah, c'est mon mari qui travaille, donc voilà, clairement on s'est vraiment pas trop vu cette semaine, donc voilà, j'aimerais rentrer tôt pour ça et aussi bah, pour pouvoir profiter de mes petites activités, parce que bah, pareil la semaine dernière j'ai pas pu faire énormément de choses autres que le boulot en fait. Donc voilà, heureusement j'aime mon boulot, ça me pose pas non plus gros soucis, mais voilà. Et en plus j'essaie d'en profiter un peu parce que là, quand les beaux jours vont revenir, ben, on va faire quand même beaucoup plus de choses à l'extérieur. Et c'est vrai que j'aurai beaucoup moins de temps pour faire colo et DP. Le point de croix, j'essaierai de toujours m'en mettre un dans le sac, comme je fais avec ma liseuse pour les lectures. Mais c'est vrai que le colo et le DP, eh bien ça, non, clairement, je ne vais pas me l'embarquer avec moi tout le temps. Donc voilà, donc là je vais faire tranquillement mon petit DP. Si j'arrive à finir ma zone, je vous la montrerai, ils sont super beaux hein, ces AB. Franchement je suis assez contente, je pense j'hésite, j'aimerais bien faire un custom chez Timmy Arts. Je voulais d'abord tester celui-ci, je voudrais faire une toile des princesses Disney. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir et en fait je n'en trouve jamais qui me plaise, donc c'est pour ça que j'en ai jamais fait.
Mais j'ai des images, donc voilà, je pense que j'essaierai de faire ça un jour, pas le mois prochain, parce que comme je vous ai dit, le mois prochain, en termes de DP, je vais me passer ma commande GBFKE, mais un autre mois, pourquoi pas. Il faut que je trouve l'image parfaite. En fait, j'ai vu un DP des princesses Disney avec les cheveux. Elles sont toutes allongées et en fait, leurs cheveux sont tous vers le centre du DP. Et il est magnifique ce DP. Et c'est une très 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 grande taille par contre. Mais il est très beau. Mais je voudrais trouver une compagnie chez qui le faire. Ben, la fille, elle l'a fait faire chez Manu et Rachel Store. Et elle en était absolument pas satisfaite. Moi, j'ai jamais commandé chez Manu et Rachel Store. Donc, bon, ça me donne pas trop envie. Même si Jess, en général, elle en est plutôt contente. Mais Teen Me Art, j'ai quand même eu de bons échos. Et voilà, il faut que je vois, moi. La seule chose que j'ai l'impression, je trouve que la colle, elle n'est pas... Elle n'est pas ouf. Après, moi, c'est vrai que je suis très habituée au DP de DAC. Alors forcément, ben, c'est pas le même prix et on peut pas forcément s'attendre à la même chose. Hein. Donc voilà, je verrai. Je vais essayer déjà de trouver une image qui vraiment, vraiment me plaît. Je vous la montrerai et ensuite, une fois que j'aurai trouvé, ben, je la ferai faire. Et en termes de colo, je pense pas que je vais... Je vous avais dit que j'allais choisir mes couleurs pour faire un colo mystère. Mais en fait, j'ai pas envie de faire de mystère. J'ai envie de continuer dans mes colos du mois. J'ai trop envie de faire le mandala nature ou cercle de la vie. Je sais plus lequel j'ai choisi pour ce mois-ci. Donc en fait, je pense que je vais faire ça. Voilà, vu que j'ai un peu moins... vu que je partage un petit peu mon temps entre mes différents loisirs... Eh bien, je préfère faire des choses qui me font vraiment envie. Et tant pis, parce que les mystères, je sais qu'il y a des moments où je vais vouloir faire que du mystère. Donc, en fait, ça ne me dérange pas particulièrement de ne pas en faire là sur un ou deux mois. Quoi. Donc, voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais continuer un petit peu mon épée. Je vous montrerai, comme je vous dis, si j'arrive à finir cette case. Sinon, je ne vous le montrerai pas tout à l'heure. C'est pas très, très grave. Et voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis... A tout à l'heure. Je vous reprends. J'ai eu pile poil le temps de finir. Vous risquez d'entendre, j'ai ma fille qui vient de se réveiller. Donc j'ai eu pile poil le temps de finir ce carré. Voilà. Hyper agréable à faire. Hyper confetti. Les couleurs, franchement, elles sont magnifiques. Je pense qu'il va être très 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 beau ce DP. J'ai vraiment hâte de le continuer. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur celui-ci. On va voir en haut ce que je ferai. De toute façon, je pense que je vous reprendrai. Et je voulais rapidement vous montrer un petit peu les couleurs. Qui sont vraiment très 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 belles. Très pastel. Franchement, je pense qu'il y a toutes les couleurs pastel de, du DP. Et je voulais vous montrer que celui-ci, c'est un 5200. Attendez, je vous pose pour pouvoir vous faire... Ah, vous avez les petites languettes qui se mettent. C'est un 5200. Et du coup, je vais le remplacer à certains endroits par celui-ci qui est le 141. Voilà, mais je pense que c'est le même en fait. C'est en AB. Et je pense que je vais essayer de mettre du strass bleu. Donc voilà, je vous laisse, je vous reprendrai parce que ma fille s'impatiente. À tout à l'heure. On est mercredi 22 mars et je vais vous montrer un petit peu ce matin toutes mes avancées et cet après-midi je vous reprendrai je pense pour un petit moment bavarder ensemble et voilà je vous reprendrai dans la journée de toute façon pour vous montrer un petit peu ce que j'aurai fait. Donc l'objectif de la journée c'est de terminer mon coloriage en duo avec Ritsuka qui est presque fini. Je voudrais juste rajouter un petit peu d'aquarelle nacrée dans le fond, je voudrais rajouter du Posca blanc un peu partout et je voudrais faire son tutu et les ailes à l'embossage à chaud. Donc voilà ce qu'il me manque à faire, mais le reste sinon c'est fini. Il est super beau celui de Ritsuka, mais j'aime beaucoup le mien aussi. Je trouve que franchement on est parti sur deux versions totalement différentes. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Mais on a vraiment fait deux versions que je trouve trop jolies, donc c'est super chouette. Et comme on disait, c'est hyper intéressant de voir ben, comment on peut faire des trucs complètement différents en partant d'un même coloriage. Quoi. Et là, pour le coup, vraiment, on dirait... Enfin, ça pourrait être deux coloriages différents complètement. Quoi. Donc voilà pour le colo.
Ensuite, j'ai pas avancé dans mes deux grandes dossiers. Ben parce que j'ai bossé, hein. Du coup j'ai avancé un petit peu dans le petit, j'ai pratiquement fini tout le tour. Voilà, il me reste pas grand chose, j'aime beaucoup ce DP, il est hyper joli. J'aime bien faire des DP au diamant en diamants spéciaux. Et le mois prochain, c'est ce que je vais commander en loisir créatif. C'est la seule chose que j'ai pas beaucoup, c'est des DP en diamants spéciaux. Tout le reste, ça y est, là j'ai tout ce qu'il faut. Et ensuite, j'ai commencé du coup la broderie, comme je vous ai fait un petit floss tube mercredi pour vous montrer un petit peu ce avec quoi je voulais démarrer. Et en fait, j'ai commencé deux kits. J'ai commencé celui-ci des petites chouettes de chez Riolis, qui est donc du point compté. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai juste fait une petite bêtise, je crois. Non, c'est bon, je l'ai... non, voilà, vous voyez ici... Je suis en train d'enlever en fait, voilà les quelques points qu'il y a en haut. Mais sinon le reste, j'aime beaucoup ce que ça rend. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. En fait la bêtise que j'avais faite, c'est que j'avais pas fait les croix dans le même sens que les autres. Et du coup c'est moche je trouve. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors le dos il est pas du tout parfait, hein, on est bien d'accord. Mais je me dis c'est mon premier, là c'est pas l'objectif de faire le dos propre. L'objectif c'est de réussir à faire bien les motifs. Donc en fait là j'en suis à, c'est le bas de ses yeux. C'est à peu près ici ce que j'ai fait. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Et j'ai commencé mon kit Oraloa. Sachant que, bah attendez je l'ai oublié. Le 11 c'était, c'est sûr et certain que je n'en rachèterai pas d'autres. Donc j'ai commencé hier, je suis contente, j'ai quand même fait pas mal. En fait vous voyez c'est ça qui me gêne, c'est qu'on voit vachement en dessous. Alors que bah, j'ai fait avec les trois brins. Hein. Et là pour le coup j'ai plutôt bien, ça me plaît bien ce que j'ai fait. Voilà, je trouve que c'est, par contre c'est vraiment facile à broder. Je trouve que pour commencer c'est pas mal d'en avoir une en 11 c'était. Enfin voilà ça change. Évidemment, le point estampé, c'est vachement plus facile que le point compté parce que bah, c'est un peu comme du DP quoi pour le coup. Hein. Mais pour autant, j'aime bien le point compté aussi. Donc voilà, donc ça c'est plus les loisirs que je fais le soir. Donc je suis pas sûre de continuer dans la journée, d'avoir quelque chose à vous montrer. On verra bien. Voilà, et cet après-midi, j'ai une conférence en ligne. Et du coup, sûrement pendant ma conférence... je vais essayer de faire, de commencer un nouveau colo. Voilà. Et du coup, je vais essayer aussi de faire du DP. Mais bon, évidemment, j'ai que quelques heures, pas énormément, pour faire des loisirs créatifs. Donc, je ferai un petit peu en fonction du temps que j'ai. Voilà. Et du coup, je me suis gardé le fil à la fin parce que moi, je sens d'ores et déjà que ça va m'agacer si jamais je défais mon fil. En fait, je vais finir... ma couleur, je vais essayer de faire tous les points bleus qui traînent, donc il y en a par là, puis il y en a un peu plus, il y en a du bleu comme ça, bon je vois, ah il y en a dans son vêtement, mais voilà je vais finir vraiment mon fil bleu avant de prendre un autre fil, ouais parce que sinon ça va m'embêter c'est sûr et certain, ah ben il y en a là, je vais essayer de le finir le fil bleu, et une fois que je l'aurai fini je ferai une autre couleur, surtout sur du point estampé je peux le faire, donc voilà, il y a ça aussi qui m'agace, en fait je ne savais pas du tout que ça fonctionnait comme ça, mais il faut séparer les brins sur la plupart des toiles, donc la toile Oraloa et tout ça, par contre sur le kit Riolis et sur le kit de Letty Stitch je crois ou un truc comme ça, en fait, votre fil, c'est un seul brin, donc c'est vachement plus facile parce que du coup, s'il vous en faut deux, ben vous prenez... moi, ce que je fais, c'est que je déroule un morceau et après, je déroule un deuxième morceau de la même taille. Il y a des filles, elles déroulent un morceau et elles le plient en deux, ça marche aussi. Alors que l'autre, en fait, il faut prendre votre fil et compter votre nombre de brins, les séparer pour garder que le nombre qu'il vous faut. Ça, c'est un petit peu relou. J'avoue, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà. Donc voilà pour mes premières impressions point de croix. Peut-être que je vous prendrai un petit peu en faisant, mais j'ai vu sur des vidéos, je trouve pas que ça soit très pratique de vous montrer en fait. Je trouve qu'on voit pas trop. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous reprendrai dans l'après-midi de toute façon pour vous montrer un petit peu ce que j'aurais fait, etc. Celui-ci, je le mets dans un tambour. L'autre, non, par contre, je pense que je vais la plier avec, avec des épingles. Donc voilà, j'espère que ce petit rush vous aura plu. J'espère pouvoir vous montrer mon coloriage terminé dans le prochain. Et voilà, je me demande d'ailleurs si je ne vais pas vous prendre pour vous montrer comment je fais mon embossage à chaud.
parce que ça peut être pas mal. On n'en voit plus beaucoup tourner, donc voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, on est mercredi soir et comme vous vous en doutez, je n'ai pas du tout fait de coloriage aujourd'hui. Au final, j'avais que une envie, c'était continuer mon point de croix. Donc j'ai fait ça devant ma conférence qui était hyper intéressante d'ailleurs. Ouais, j'ai fait que ça, ouais, j'ai rajouté un fil de plus de noir et là j'en suis à mon deuxième fil de violet. Donc en fait, on dirait pas comme ça, mais ça fait pas mal de croix, je pense. Je sais pas du tout combien j'en ai fait. Mais voilà, donc là je vais essayer de terminer mon fil violet. C'est le orange, le violet. Donc je vais essayer de terminer mon fil violet sur le orange. Et j'aimerais bien rajouter un fil noir ce soir. Voilà, ce serait chouette. Mon dos est pas top. Voilà comment il est, mais je pense que quand même ça pourrait être pire, sachant que je suis vraiment débutante. Et je confirme que le 11 CT c'est pas du tout ce que je préfère, mais c'est vrai que ça permet pour de commencer. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais toi? Donc voilà, du coup j'ai fait ça et en fait aujourd'hui j'ai appris que ça y est, je me faisais très vieille. À savoir que j'avais, en fait ce matin j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo et du coup c'est pour ça que j'ai rien pu faire ce matin. Alors attendez, je vous pose parce que ma fille elle veut mettre ses chaussons pour aller vagabonder. Viens mon cœur, je te mets tes chaussons. Et en même temps je vous parle. Donc voilà, donc je vous disais, je me fais vieille, à savoir que ça faisait un petit moment que je n'y voyais plus rien de loin en fait. Et du coup je me suis décidée à prendre un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et en fait ce matin elle avait 3 tonnes d'urgence. Donc j'avais rendez-vous à 10h20 et je suis passée à 11h45, quelque chose comme ça. Donc ça m'a bouffé vraiment toute la... J'avais rendez-vous à 10h20, je suis passée à 11h45. Donc ça m'a bouffé toute la matinée, sachant que c'est dans une ville, bon pas forcément très loin, mais où il y a toujours beaucoup de circulation, donc c'était la galère. Après je suis rentrée, bah, j'ai mangé en vitesse et après à 14h30 j'avais ma conférence qui a duré jusqu'à 16h45. Après à 16h45, c'est pendant ce temps que j'ai brodé. Après à 16h45 je suis allée du coup chez chez l'opticien de mon village parce qu'il était hyper bien noté sur Google et il était très gentil, monsieur, que j'ai eu affaire, donc j'ai fait mes lunettes et en fait il m'a expliqué que j'avais une myopie étudiante et bon c'est pas du tout étonnant, je pense que ceux qui font beaucoup de loisirs créatifs comme c'est notre cas, plus moi le fait que je suis maîtresse, ça veut dire que je fais principalement de la vue de près. Et du coup, bah, mon muscle de la vue de loin, il est fatigué, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai commandé mes lunettes. Je suis contente, j'ai trouvé des montures qui me plaisaient beaucoup. Maintenant, j'ai un peu hâte de les recevoir. Et voilà, donc en fait, j'ai pas eu au final une journée trop à moi. Mais c'est pas grave, voilà. Donc là, je vais essayer de broder un petit peu, ça va dépendre de ma crapouille. Tu vas laisser maman faire de la broderie? Ouais? Ah, t'es gentil toi! Donc on va voir avec elle et après ben, ce sera dodo assez tôt et demain ça va être, je pense, une journée fatigante parce qu'en fait la crèche fait grève et moi celle-là je la fais pas. Et en fait ben, du coup je dois prendre ma fille à l'école, voilà, elle va faire une entrée précoce en petite section bichette. Mais non, je pense que ça va bien se passer, mais voilà, ça me stresse un petit peu, c'est toujours, bah c'est normal, ça change de l'ordinaire. Et donc voilà, parce que la babysitter n'était, enfin j'ai essayé de contacter plusieurs babysitters et aucune n'était disponible demain, quoi. Donc voilà, je vous ai un peu raconté ma vie, mais c'est pas grave, de toute façon hein, c'est le principe des vlogs. Donc moi je vous laisse là, je vais aller continuer celui-ci. J'ai continué mes chouettes aussi, je vous les ai pas montrées, j'aime bien, je pense que là je vais essayer de continuer un peu celui-là et ce soir pendant que je regarderai un peu la télé avec mon mari, j'essaierai de faire les chouettes. Donc voilà, je vous dis à... Ben, j'essaierai de vous reprendre demain soir mais c'est pas dit parce que j'aurai la petite puce, mais sinon je vous reprendrai vendredi. À tout de suite pour vous. Les amis, en fait je vous reprends à peine 5 minutes plus tard puisque je viens de me rendre compte à quel point j'avais fait un truc stupide, mais stupide. Oh là là, j'avais en fait, enfin bon après vous allez peut-être être d'accord avec moi. En fait donc je vois que j'ai fini là où j'en étais, donc je vais chercher mon ciseau pour couper mon fil et je récupère en même temps ce papier.
Et je vois que ben, c'est quand même, vous en conviendrez, c'est quand même très bleu là-haut. Alors du coup, je regarde, je revérifie. En fait, moi, j'avais vu du orange. Et du coup, j'ai vu sur la légende ça. Attendez, est-ce que ça va se mettre? Hein? Et du coup, j'ai pas cherché plus. Sauf qu'en fait, je pense, si jamais je ne dis pas de bêtises cette fois-ci, que le rond orange, il est... Attendez, ce que j'ai vu, je l'ai vu par la suite quand j'ai cherché. Je pense que le rond orange, il est... là. Et qu'en fait, ça, c'était le carré orange qui est du 33, qui est du bleu, qui est absolument pas la couleur que j'ai mis actuellement. Donc je vais être obligée de tout défaire, sachant que j'ai gaspillé au moins 6 brins. Donc je sais pas du tout si jamais pour la suite j'aurai assez. Bah, sinon tant pis, il faudra que je recommande un écheveau, une échevette, je sais pas comment on dit, de DMC 208, hein, c'est pas grave. Mais comment je peux être aussi bête? Ça va me prendre une éternité de tout redéfaire. Donc voilà, je voulais vous partager mon désespoir avant de me mettre à tout redéfaire. À bientôt les amis, à demain, si jamais j'arrive à m'en sortir. Bah du coup ce soir, je ferai pas du hibou, je vais devoir tout défaire et tout refaire. Donc on se retrouve aujourd'hui, on est samedi pour la suite du vlog. J'ai pas pu vous reprendre avant tout simplement parce qu'en fait, je vous avais expliqué mercredi, j'ai eu une journée folle. Jeudi aussi, hier aussi, et du coup... je voulais vraiment terminer mon coloriage avec vous. Donc je vous avais dit que j'allais faire de l'embossage à chaud. J'espère que vous verrez bien parce que la luminosité il est encore tôt. Donc c'est pas top top. Mais du coup pour faire de l'embossage à chaud il vous faut... enfin moi j'utilise ceci. Donc c'est de la marque... je ne sais pas mais ça s'appelle Emboss Dual Pen. En fait vous avez un côté pinceau et un côté très très fin. J'utilise une poudre à embosser, donc là j'ai choisi une poudre à embosser de la marque Isink. Moi j'ai pris transparent pailleté 3D, donc c'est chez Aladdin. Et en fait c'est une poudre qui est transparente et qui va avoir plein de petits reflets dorés, holographiques un petit peu. Et il vous faut évidemment votre appareil à embosser, donc moi c'est un... ben, ce n'est pas marqué dessus, donc je ne peux pas vous dire. Il me semble que c'est le Aladdin si je dis pas de bêtises, mais je sais plus. Ça coûte une vingtaine d'euros, donc je trouve que ça va. Enfin, moi, ça fait quand même presque 5 ans, je pense que je l'ai. Donc voilà, ça va au final. Donc ensuite, il faut que vous preniez votre... ah, alors attendez. Et il vous faut aussi une feuille neutre, quoi. Enfin, une feuille, juste une feuille A4. Moi, je prends un brouillon, voilà. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma feuille. Donc, avec votre feutre à embosser, donc moi j'ai utilisé le côté pinceau parce que j'ai quand même des zones un peu grandes. Donc je veux faire les ailes et le tutu. Donc en fait, vous allez tout simplement passer votre feutre sur toute la zone. Voilà. Donc le feutre, pareil, ça se garde un petit temps. Moi, ça fait un petit moment, enfin... depuis 5 ans, j'en ai acheté 2, donc je trouve que ça va. Mais celui-là, là, j'ai l'impression qu'il va bientôt falloir que je le change. Et ça, c'est pas très très cher, hein. Il me semble que c'est 5 ou 6 euros, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça va. Et les poudres, franchement, moi j'en mets souvent de la poudre à embosser. Et il m'en reste encore, encore plein. Une fois que vous avez mis votre feutre, vous allez mettre de la poudre un petit peu partout. Voilà. Après, j'ai aussi des couleurs. Mais c'est vrai que je me sers beaucoup moins des couleurs. Alors si vous n'en avez pas beaucoup, ben, il faut vider tout de suite. Moi vu que j'ai quand même le pot qui est plein, je vais faire les deux autres paires d'ailes en même temps en fait pour aller un petit peu plus vite. Hein. Voilà. Parce que par contre ça, il faut pas... si jamais votre encre est sèche, ben après vous allez un petit peu galérer, je pense. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est ce que j'en ai déduit. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre... attendez, j'ai enlevé ma feuille plastique que j'avais mis en dessous pour ne pas tâcher l'autre livre. Donc vous allez prendre votre... feuille blanche. Il me semble que je vous avais déjà montré dans une vidéo, je ne sais plus comment faire de l'embossage
Donc, hop, vous tapez, vous tapez, vous tapez. Hop. Voilà. Et ce qu'il vous reste, vous allez reprendre votre petit pot. Et en fait, vous allez tout simplement le reverser dans votre pot. Voilà, ben c'est histoire de ne pas en perdre. C'est ça qu'il faudrait que je teste avec mes couleurs. J'ai du doré, du argenté, du bleu foncé. Je pense que ça pourrait faire joli sur certains coloriages, mais c'est vrai que j'ai jamais, jamais fait. Et là, par contre, c'est vrai que ben, des fois, le papier n'aime pas trop l'embossage à chaud, donc on verra. Ah, par contre, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais mon aquarelle n'a pas très très bien supporté le papier. Donc, il faudrait... Ah ouais, partout. Ah ben mince, ça je savais pas. Donc voilà, il faudra que je fasse attention sur le coloriage. Et donc ensuite, vous allumez votre embossage, vous ne restez pas non plus collé, et vous faites des petits mouvements circulaires. Voilà, donc ça prend vraiment, vraiment pas longtemps. Bon, le papier, ça va. L'embossage, il a bien réagi parce que des fois, j'ai des papiers, en fait, l'embossage, il ressort par derrière et c'est assez affreux. Et en fait, là, vous avez quand même un effet de brillance assez extraordinaire. Enfin, moi, vraiment, je trouve qu'en termes de brillance, rien n'égale l'embossage à chaud. Donc voilà, du coup là je vais rajouter un petit peu des paillettes un peu partout et du posca, comment vous appelez, de l'artiste trop blanc parce que j'en ai mis que dans les petits ziboulboui. Je voudrais en mettre un petit peu autour des étoiles. Et une fois que j'aurai fait ça, il sera terminé. Et enfin, parce que Ritsuka, pauvrette, je lui avais dit que je le fêterais mercredi. En fait, j'ai pas du tout le temps, donc voilà, elle m'attend pour le poster. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir sur son Insta, parce que vraiment, elle a fait une super, super belle version. Je sais pas si ça vous arrive, mais genre, des fois, vous faites un jour, vous trouvez que le vôtre est moche, bon, bah tant pis. Mais des fois, vous trouvez que le vôtre est beau, vous dites, ah ouais, il est beau. Et en fait, vous voyez celui de la collègue, et vous dites, ah non, mais en fait, le mien, il est dégueulasse à côté de ce qu'elle a fait. Donc, c'est un peu ce que ça m'a fait pour ce coloriage. Donc voilà, moi, je vous dis à tout à l'heure, je vous reprendrai, je pense que je vais essayer de commencer un nouveau colo. Et du coup, je vous reprendrai, je vous tiens au courant de mes petites aventures de la journée. A tout à l'heure. Et donc voilà, ça y est, j'ai terminé ce coloriage. Voilà ce que ça donne une fois fini. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je trouve très joli. J'aime bien les couleurs que j'ai prises. Je le voyais vraiment comme ça dans ma tête. Donc, je suis plutôt vraiment satisfaite. En plus, il brille. Donc, c'est encore mieux. Et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il vous plaît aussi ou pas, hein, c'est possible. Donc voilà pour le coloriage du jour. Alors là, je vous avoue que je voulais colorier et en fait, pas trop inspirée. Désolée si vous entendiez du bruit, c'est ma poupette. En plus, elle est malade, donc bon, je vais essayer de filmer ce que je peux aujourd'hui, mais rien n'est sûr. Ouais, c'est bien mon cœur. Donc voilà, donc j'avoue, j'avais choisi un coloriage dans le bloc message Disney, mais en fait, bof, quoi, je suis pas trop inspirée. Donc je verrai. De toute façon, là pour l'instant, j'ai pas le temps, il y a la crapouillette, donc voilà. Je voulais vous montrer du coup que j'ai bien avancé quand même dans celui-là. Bah en fait, c'est ce que j'ai fait pendant sa sieste. Elle a fait une micro-sieste ce matin, elle a dormi une heure. J'espère que cet après-midi, elle dormira plus. Je balade mon bébé. Donc, voilà. Donc, voilà comment il est. Donc, j'aimerais bien finir cette partie aujourd'hui. Donc, il ne me manque pas grand-chose. Il me manque 3 couleurs. Du coup, j'espère que j'arriverai à le faire pendant la sieste de l'après-midi. On verra bien si j'arrive pas. C'est pas très, très grave. Donc voilà pour ça, j'ai avancé aussi un peu mon grand épée, mais je vous montrerai tout à l'heure parce que ben, il est pas au même endroit. Ensuite j'ai avancé un petit peu dans ma broderie
hibou, donc des chouettes, pardon. J'aime beaucoup la... En fait, le point compté, j'aime bien. Hein. Je trouve que... Bon, il faut être un peu plus attentif que l'autre, mais au moins je sais que je vais pas me tromper, ou alors si je me trompe, bah clairement ce sera ma faute quoi. Donc je voulais vous montrer, je peux pas vous montrer évidemment tout le truc, je vais juste vous montrer une partie, je veux pas non plus trop le plier, mais en gros j'ai fait quand même pas mal. Alors j'ai fait quand même tout ça. Le blanc, je suis allée jusque là. Donc non, j'avance vraiment bien. Alors moi, pour la broderie, je pense que je vais continuer un petit peu ma broderie ce soir ou cet après-midi. Franchement, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais faire dans ma journée, mais je suis plutôt contente. Alors, alors oui, aussi ce que je fais, c'est qu'en fait, j'essaie de finir tout mon fil de blanc avant de changer de couleur. Donc je compte, c'est pas grave, et c'est pour ça qu'il y a des trous, parce que je préfère faire par couleur en fait, je m'en rends compte. Donc voilà, je sais pas si je vais tout faire le blanc avant de faire autre chose, mais pour l'instant en tout cas c'est ce qui me plaît. Et mon daube, j'écoutais, je trouve que pour une première c'est pas si dégueu que ça. Enfin, je sais pas vous votre avis, hein. Il y a des gens qui en font mieux que moi, c'est sûr et certain. Mais je suis désolée s'il y a des choses qui bougent, mais en fait elle arrive pas à tout toucher. Camélia, oh, maman, elle arrive pas à voir ce qu'elle fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire comment vous trouvez mon dos. Moi je trouve que ça va pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. J'espère que ça va continuer comme ça. Et puis en fait, enfin, on verra. Je suis plutôt satisfaite et vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup beaucoup. Donc ben voilà, j'ai hâte de continuer. Et dans ma broderie au Raloa, alors comme je vous disais, oui, le 11 CT, c'est vraiment pas du tout ce que je préfère. Je pense pas que je rachèterai du 11 CT. Mais pour démarrer, c'est plutôt chouette de commencer. Enfin, c'est plus facile. Enfin, je trouve pas forcément que ce soit plus facile. En fait, non, j'aime pas. J'aime pas trop. En fait, je trouve qu'on voit beaucoup la toile en dessous sur le noir. Donc, j'espère qu'une fois qu'elle aura été lavée et terminée, ça se verra moins. Mais en fait, il y a des endroits... Je sais pas... Oui, vous voyez super bien. On voit vachement en dessous. Et ça me plaît pas trop trop. Donc voilà, j'en suis que là, ben, comme vous avez dit, j'avais dû tout redéfaire, tout refaire, parce que je m'étais trompée de couleur comme une idiote. Donc voilà, du coup j'en suis là. Alors là, mon dos est un peu... Ben encore que je trouve que ça va. Enfin, franchement, je sais pas, n'hésitez pas à me dire. En fait, c'est vrai que j'aime pas trop moi non plus. Là, vous voyez, je me dis que j'aurais dû couper mon fil, parce que c'est pas très joli quand ça fait comme ça ou comme ça, mais bon. C'est pas grave, mais pas plus. Enfin, là, voilà. Allez, de 1, 2, 3. Ouais, voilà. 4 points, je trouve que c'est le maximum. Surtout avec du 11 CT où les points sont assez éloignés. Voilà. Je suis plutôt satisfaite de mon dos. Et de mon devant, je trouve que mes points sont plutôt bien faits. Alors, la chose qui est la plus difficile, je trouve... Enfin, non. La chose à laquelle il faut être vraiment attentif, que ce soit sur du point pointé ou de la broderie, c'est vrai qu'au début moi j'avais pas fait attention, et en fait ils le disent dans les commentaires, hein, enfin dans les instructions et tout, en fait c'est de toujours que le fil du dessus soit toujours dans le même sens. Voilà, vous voyez, moi par exemple dans cette broderie, parce que j'ai pas fait la même chose dans les deux, dans cette broderie le fil du dessus c'est celui qui va d'en bas, enfin... Celui qui va de en bas à gauche à en haut à droite. Et du coup il faut bien le faire partout, parce qu'à un moment donné je m'étais trompée, j'avais fait de en haut à gauche à en bas à droite. Et en fait ça fait bizarre, hein. Quand vous n'avez pas les croix qui sont toutes dans le même sens, clairement c'est un peu bizarre. Donc en fait j'aimerais bien terminer mon bleu et après faire un petit peu de noir. Alors vu qu'il y a beaucoup beaucoup de noir dans cette toile, ce que je fais c'est que je fais un brin de couleur, un brin de noir, un brin de couleur, un brin de noir. Comme ça à la fois je me lasse pas du noir, mais à la fois ben, j'avance aussi ma couleur. Voilà. Donc je pense que après, le noir je vais essayer de finir là jusqu'à 50. Et après j'essaierai d'aller un petit peu dans l'autre sens. Voilà. Pour essayer de revenir. Mais voilà, cette toile je pense qu'elle va me prendre quand même un sacré bout de temps. Et au final, là, autant le DP, plus les toiles sont grandes, plus ça me plaît. Autant la broderie, je pense pas que ça sera le cas. Je pense pas que ça va me déranger de prendre des petites toiles. Donc voilà.
je vais vous laisser pour ce rush. Je vous reprendrai tout à l'heure. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous faites un des 10 000 loisirs créatifs que je fais. Ou pas du tout, si jamais vous n'êtes pas intéressé par ça. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et rebonjour, je vous prends pour la suite du vlog. On est mardi 28 mars. Et du coup, je suis rentrée pas trop tard ce soir du travail. C'est chose assez rare pour être mentionnée. Tout simplement parce que demain, je suis en formation et du coup, j'estime que j'ai le droit de m'octroyer une petite soirée de détente vu que je sais que bah, demain, ce sera pas de la détente. Donc, voilà. Du coup, j'avais trop envie de faire un petit peu de DB. En fait, j'ai hyper envie de terminer ce DB. Et je sais que dans le vlog d'avant, je vous disais que je l'aimais pas. En fait, je crois que si, je l'aime bien. C'est juste que ça fait trop longtemps que je suis dessus. Voilà. Parce que je l'ai commencé il y a un moment et après, en fait, j'en faisais deux à la fois à un moment donné. Et en fait, je peux pas faire deux grands à la fois. C'est pas possible, j'y arrive pas. Je peux me mettre un petit projet à côté, vous voyez, comme le comme celui avec les diamants spéciaux. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, en faire deux en même temps, grands comme ça, un rond, un carré, j'y arrive pas. Vraiment, ça me perturbe. Vous savez, il m'en faut pas beaucoup pour être perturbée. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai que un gros projet. Et à la rigueur, des petits que je fais, voilà, mon rythme tranquille, sans stress, rien du tout. Donc voilà, j'ai bien avancé, bien. Moi je trouve, hein, mais peut-être que vous allez dire, oh c'est tout. Attendez, mon point de croix du hibou, ah il est là. Je vous montre, j'ai fait un premier œil. Donc je suis super contente, franchement je trouve que c'est ça se brode super facilement, c'est pas difficile du tout. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est très 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 confetti. Et vraiment en fait je me rends compte que j'aime pas aller trop de droite à gauche avec mes fils. Voilà, ça c'est juste des fils que j'ai coupés, il faut les raccourcir. Mais j'essaye de faire un dos quand même relativement propre. Donc ben forcément vu qu'il est très 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 confetti ce petit point de croix, ben c'est un peu long parce que par exemple vous voyez là j'avais que 3 points à faire, là j'en avais tout 4, voilà là j'en avais que 2, là il manque un point blanc, là il manque 2 points, là il n'y en avait que 2, donc voilà à chaque fois il faut couper le fil, etc., etc. Et du coup, bah forcément, c'est plus long que quand c'est du bloc, comme dans celle de Oraloa, par exemple. Ou celle d'Oraloa, pour le coup, elle est quand même assez rapide pour l'instant, là où j'en suis, parce que c'était du bloc. Donc, voilà. Du coup, je continue, j'avance mes petits points de croix. L'autre, je crois pas avoir beaucoup avancé depuis que je vous l'avais montré. Je sais pas en fait. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris pour la dernière fois. Parce que initialement, je voulais clôturer ce vlog ce week-end. Dimanche. Sauf qu'en fait, dimanche, j'ai pas trop eu le temps de vlogger. J'étais vraiment fatiguée. Et du coup, je fais que me reposer. Je fais que dormir ou alors lire. Voilà, j'ai pas fait trop de loisirs créatifs. Après là les 15 derniers jours que j'ai eu ils étaient vraiment fatigants, donc c'est pour ça aussi hein, je pense. Et là franchement vivement les vacances, parce que j'ai encore dans cette semaine, à part demain, j'ai un peu rien de particulier, mais quand même demain. Et la semaine prochaine, j'ai un truc hyper important lundi qui va me prendre un petit bout de temps. Et après, normalement, du reste de la semaine, je n'aurai rien. Mais voilà, quand même, lundi, quoi. Donc voilà, du coup, c'est vrai que, en fait, cette période, j'ai pas eu une semaine où j'avais que ma classe à m'occuper. Voilà, donc c'est très fatigant. En plus, je sais que la prochaine période, j'ai les inscriptions qui vont commencer. Parce que moi, vu que j'ai une école où il y a de la petite section, les petits bouts, ils rentrent à l'école. Donc j'ai déjà reçu pas mal d'appels des parents pour faire les inscriptions. Et du coup, je pense que ça va pas tarder, quoi.
Donc voilà, du coup je sais que bah, ce sera pas non plus très reposant. Sauf que la prochaine période elle fait 11 semaines, pas 7. Donc voilà, va falloir. Je pense que je vais ingérer beaucoup de vitamine C. Voilà, ça me fera du bien. Donc voilà. Alors après, pareil, cette toile, je passe du coq à l'âne, hein, complètement, on est bien d'accord. C'est une avec les anciens diamants carrés de Dac. Et c'est vrai qu'ils sont, ils font beaucoup d'écart. Alors en général, quand je fais des anciens carrés de Dac, j'utilise pas le multiplaceur tout simplement parce que je trouve que c'est pas joli. Mais là, vu que j'en avais vraiment marre de cette toile, bah du coup hein, j'utilise le multiplaceur. Voilà, voilà. Donc écoutez, ce sera pas le truc le plus joli, mais celle-là, pour le coup, je pense pas du tout que je l'encadrerai. Parce que bah, au final, c'est pas. Ça va pas particulièrement correspondre au style de décoration que j'ai envie de faire. Ouais. Et ben voilà, après je vais pas tarder à aller chercher ma petite crapouillette. Pour la soirée, hein, pour la soirée à l'hôtel. Mon mari rentre super tard en plus, donc j'aime pas trop quand il rentre tard, je sais pas. Vu que je suis une couche tôt, j'ai l'impression qu'on se voit pas en fait. Et demain il commence super tôt, donc on se verra pas non plus. Et des fois on a l'impression, franchement, pendant la semaine, je sais pas si ça vous fait ça avec vos conjoints, mais on a l'impression clairement d'être des colocataires. D'être colocataires, mais ouais. Là. Je vous jure. En fait, j'avais oublié ce que ça faisait de travailler. En un an, on oublie pas mal de choses. Mais voilà, après, j'ai quand même de la chance. C'est-à-dire que je fais quand même un boulot que j'adore. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et là, sinon, j'attends avec grande impatience ma commande de AliExpress pour vous faire un petit haul broderie. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai pris sur... Joy Sunday et sur une autre boutique Wuyu Store ou un truc comme ça, je sais pas si vous connaissez, parce qu'il y avait des modèles qui me plaisaient beaucoup sur ces deux boutiques et aussi que j'ai eu de très bons échos de Joy Sunday. La plupart des brodeuses elles vont dessus, donc voilà. Et pour Dac, j'attends avec impatience qu'ils remettent, j'ai un gros chèque cadeau en fait, j'ai presque deux toiles gratuites avec tous les sous que... Enfin, avec tous mes points. Donc en fait, j'attends qu'ils remettent deux toiles. En fait, il y a deux toiles que je veux absolument. Sans grand suspense, ce sont des toiles de Sarah Mustapha. Et en fait, pour l'instant, elles ne sont plus en stock. Donc là, j'attends. J'ai trop... J'espère hein, qu'ils vont les remettre à un moment donné. Hein, parce que sinon, je serais vraiment triste. Mais... Dac, je trouve, je sais pas vous, mais souvent, quand ils font la première mise en ligne, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment souvent pas beaucoup de stock en fait, parce que les toiles elles partent super vite, et après, quand ils en ont à nouveau, ben là à ce moment-là ils ont plus de stock. Donc ouais non, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais mais voilà, alors attendez, parce que je voulais voir un truc, j'ai l'impression d'avoir perdu des points, mais c'est pas possible ça, si. Alors attendez, je regarde. Ah, mes points expirent le 2 décembre 2023. Mais est-ce que j'en ai pas perdu plein déjà? Attendez, je vérifie. Ah non, par contre, maintenant on peut plus faire... Ok, à un moment donné, on pouvait échanger le nombre de points contre la somme en euros. Ah oui, ça marche toujours. Oui, donc c'est ça, moi j'ai vraiment beaucoup de points, donc ça me fait ouais, presque deux toiles offertes. Donc comme ça, je pourrais m'en prendre trois que j'ai dans ma wishlist qui me plaisent vachement. Parce que évidemment, si jamais je prends des toiles... je vais pas, surtout si jamais j'utilise le chèque cadeau, c'est pas pour payer les frais de port. Hein. Donc voilà. Du coup, j'attends avec impatience que ça revienne en stock. Et par la suite, je pourrai me les commander. Et là, j'ai fait un petit panier GBFKE avec des toiles, pareil, qui me tentent depuis mais très 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 longtemps.
et que j'ai pas encore pris. Et en fait là je me dis, Myriam, prends-les, parce qu'après si elles partent, je vais être gavée. Si jamais elles ne sont plus disponibles, ben voilà, ça va m'embêter beaucoup. Donc comme ça, et puis en plus comme ça je me dis je vais pouvoir tester les BFKE, parce que moi je n'ai jamais testé en fait. Mes toiles, je les ai toujours achetées soit sur DAC, soit sur avant de connaître DAC, j'ai acheté sur AliExpress, chose que j'ai plus vraiment fait depuis que j'ai DAC. Mais voilà, j'ai jamais acheté sur des petites compagnies comme on voit pas assez souvent. Donc je me dis pourquoi pas essayer de voir ce que ça vaut. Voilà, ça peut valoir le coup. En plus, Sabrina, elle m'a dit de la chaîne, je crois, Les Passions de Sabrina, si je m'imagine, elle m'avait dit que GBFKE c'était pas mal parce que je cherchais des toiles avec des diamants spéciaux. Ben, comme je vous ai dit, j'aime bien faire ça en plus d'un projet principal, dirons-nous. Donc voilà, du coup moi je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Dans la semaine vous devriez avoir, du coup, alors dimanche vous aurez soit la vidéo de ma collection de livres de coloriage, la dernière partie, soit vous aurez la vidéo de mon haul. Et l'autre sera pour mercredi. Voilà, ça c'est les deux prochaines vidéos, évidemment. Si j'ai reçu tout ce que je veux vous montrer mercredi prochain. Sinon, ce n'est pas grave, je vous ferai... je vous posterai un vlog. Ou alors, il n'y aura pas de vidéo mercredi prochain. Je ne sais pas trop comment on va se débrouiller. Et en termes de série, je voulais vous dire aussi... Avec mon mari, on a commencé sur Amazon Prime. Carnival Row. Donc c'est avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, je ne sais pas du tout comment on dit son nom, c'est bien. Et ben, on a vu que deux épisodes, donc ça fait un par soir. Alors mais moi vous savez que je ne suis pas très très télé, donc ça me suffit mais alors largement. Et franchement pour l'instant moi j'aime beaucoup, et ben, mon mari aussi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu cette série et si vous l'avez aimée. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Au revoir.